Pas de banane. Ah ouais. Un poulet aussi. La première fois qu'on la voit aussi bien, cette falaise là. Ils peuvent crever dans les machins noirs, les bois noirs. Ils doivent être super durs qu'ils sortent du sol. Là-haut, c'est fermé. On arrive à la ruine. Ah, et le banc est intact. Ça alors. Tout à l'heure, on était en dessous. Là. Et autour, c'est tout cramé. Oh putain, la grosse poutre, elle a cramé. Pas pareil, hein. Rien. Ça va finir par tout tomber par terre. Plus rien sur ces lits. Que des troncs. C'est nouveau ça. Les chasseurs qui sont passés là. Et le chemin s'arrête là de toute façon. Par contre, je vais aller voir à pied où il va. Et le temps du pourras en face. C'est encore brûlé ici. Ah, je vais aller voir la petite ligne de descente qu'on avait là-bas. Le haut de la ligne de descente. Là-bas et là-bas en haut. Là-bas en haut. Et là-bas en haut, et là-bas en haut. Eh bien, je vais la descendre pour voir. On va voir si j'arrive à passer au moins la première. Ah, j'ai cru qu'il y avait l'arbre derrière aussi. Je saute pas tout ça. Caillou au milieu. Ben voilà. L'aperçu. Ici rien de brûlé, on va passer au orange. Le orange en plus. Hein. Heureusement, il y a tous les chevaux.
J'ai eu peur quand même. Et à droite, ça bougeait là. Et oui, c'est le haut du tour de l'étang encore. Passer en face aussi. Et le ranch est à 200 mètres là. Pas plus. Alors on l'aperçoit là. Ben c'est bien vert. Ah, à gauche. Ouais, ils ont bien travaillé.